ma def fon mu jere ciu top yonu chay chay bunti yeb teju ay way nu may recce aduna du balé jaru wéru yeah blue eye def bopam do ñale ay mbokam yene negle Allez, chérie, remue-toi un peu. Tu sais que j'aime pas te voir quand tu fais cette tête. Mais quand même, je me sens un peu mal par rapport à tout ça. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts. Oh, ok. T'avais pas fermé ? Ouais, attends, on se calme. Écoute, on est sortis se promener, mais je vois bien que ça n'a servi à rien. J'ai une surprise pour toi, j'espère que ça va changer ton humeur. Sérieusement ? Vas-y. Ouais. Fais-moi un sourire d'abord. Bébé... Fais-moi un sourire d'abord. Je suis pas d'humeur. D'accord. Bon, vas-y. Allez. Jazz ? Ami. Mais quand est-ce que t'es sorti ? Il y a pas longtemps, je suis venue directement ici. Je suis tellement contente de te revoir. Moi aussi. Bon, je vais vous laisser tranquille. Je pense que vous avez pas mal de choses à vous raconter. Mon pote, merci pour tout. Je n'ai pas eu l'occasion avant, mais je m'excuse pour ce qui s'est passé. Non, grand, t'as pas à t'en faire, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Et puis moi aussi je te remercie, parce que les choses auraient pu se terminer bien différemment, donc merci beaucoup. De rien. Allez. Merci pour la surprise. T'inquiète. Hé, hey, ça va bien ? Oui, merci. Qu'est-ce que tu fais ici ? On prévient avant de débarquer. Quoi ? Je suis un étranger peut-être ? Est-ce que tu me caches un truc ? De quoi tu parles ? J'étais avec Malika, qu'est-ce qu'il y a ? Justement, je veux parler de Malika. Elle sait pour notre relation ? Mais t'es malade ou quoi ? Tu sors avec sa sœur, je te rappelle. Shérif, arrête de m'accuser. La dernière fois, quand t'es arrivée, elle m'a regardé bizarrement, je croyais qu'elle savait. Écoute-moi. Je lui ai rien dit. Donc fais pas l'idiot avec moi, shérif. Là, j'ai d'autres choses en tête. Alors, j'ai pas le temps pour ça, tu comprends ? En plus, je dois sortir aujourd'hui et j'ai même pas d'argent sur moi. Kani, dans quoi tu dépenses l'argent que je te donne ? Shérif, tu sais que la vie est chère. Et je te rappelle une chose, un homme doit être plus bavard avec son porte-monnaie qu'avec sa bouche, t'as bien compris ? Kani... Alors donne-moi un peu. Hey, je te donnerai rien. Comment ça ? Si tu continues à dépenser aussi rapidement tous mes sous... On va avoir de gros problèmes tous les deux. Mais non, bébé. Bébé, pourquoi tu te plains comme ça ? Il n'y a pas de bébé qui tienne. Je te donne rien, j'ai dit. Sinon, on va avoir des ennuis. Shérif, tu peux partir. Je viens d'arriver. Kani, et si on allait à l'intérieur, terminer ce qu'on a commencé la dernière fois ? Pas question. Avant, j'étais de bonne humeur. Là, je me sens un peu fatiguée. Kani ? Malika va arriver. Faut pas qu'elle te voie ici. D'accord. Bon. Passe une... D'accord. Je reviendrai après. Comme ça, on pourra finir ce qu'on a oui, à faire. Oui, c'est bien. Allez, vas-y, shérif. Tu connais la sortie. Je te remercie. Je
normal. C'est lui, le père de l'enfant. Ah, d'accord. On se voit après. Oui, bonne journée. Eh bien. La mine. Ton père et ton bébé sont à l'intérieur. Ta tante que tu viens de voir s'occupe de ton fils. Tu peux entrer maintenant. La mine. S'il te plaît, reste calme. Je sais que tu es en colère, mais il reste ton père, ok? J'ai compris. Tu peux y aller, je te remercie. Mamadou Lamine. Mais vous êtes qui? Tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais pas? J'ai été le premier rempart. Quand les vents du sud se sont déferlés sur toi pour t'anéantir. Vous me connaissez? Dieu merci. Nous avons pu te délivrer. Et ces mêmes esprits, ces mauvais esprits, s'en prennent aujourd'hui à ton fils, notre petit-fils. Nous allons les combattre, jusqu'à ce qu'ils s'enfuient. De quoi vous parlez? Je te le dis, Lamine, cet enfant ici est attaqué comme tu l'étais la dernière fois. Mamadou Lamine. Pour que tu comprennes ce qui lui arrive, il faut que je te révèle tout ce que l'on ne t'a pas dit. Leitch. Oui, grand-père. Tu es très élégant, dis donc. Ah, merci. Merci, grand-père. Tu sais, quelqu'un d'aussi élégant doit aussi savoir bien se construire, tu comprends? Pour ne pas retourner en prison. N'est-ce pas, Leitch? Comme ça, tu seras irréprochable. C'est mieux, n'est-ce pas? Oui, grand-père. Pourtant, tu as un bon exemple. Batch Masamba, il se comporte correctement. Tu n'auras plus cette honte, Leitch, si tu deviens comme lui. D'accord, grand-père, j'ai bien compris. Batch Masamba. Grand-père. Marche avec moi, viens. D'accord. On va discuter. Batch Masamba. Oui, grand-père. Tu dois savoir pourquoi... Je veux te parler. Oui, je le sais, grand-père. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je suis flatté que tu aies pensé à moi, mais je ne préfère pas. Donc tu refuses? Ce n'est pas fait pour moi. Est-ce que tu connais l'origine de l'âme taureau? Ce que ça représente? Attention, hein, pas le l'âme taureau des autres, hein? Je te parle du lame taureau de notre communauté. C'est notre histoire. Est-ce que tu la connais? J'ai entendu des récits dessus, mais à vrai dire, je n'en sais pas plus. Batch Masamba. Notre communauté a toujours été tourmentée. On n'a jamais eu la paix, ni même un endroit où vivre. Tu sais, on ne pouvait rester dans un endroit qu'un jour ou deux. On souffrait tous. Et puis un jour, il y a eu un homme très bien, courageux,
et intègre, qui nous a dit « Écoutez, on devrait former un bloc pour combattre ensemble, affronter les rois et les chasser. » Et c'est là que l'âme taureau a commencé. Grand-père, je m'en souviens. On m'en avait parlé avant. Mais après ce que tu viens de me dire, je sais quoi faire. Ainsi, je te demande de choisir quelqu'un d'autre. Car je ne serai pas à la hauteur. Vraiment ? Pas à la hauteur ? Moi, je pense qu'au contraire, tu serais à la hauteur. Tu sais pourquoi ? Tu as les qualités. Tu es loyal, tu es généreux, tu es indulgent, et puis tous les gens t'aiment bien. Ce sont toutes les qualités du lac Toro. Mais une chose m'inquiète, quand même. Dis-moi, elle est où ta femme? Il faut te marier, hein? Batch, trouve-toi une femme. Il est grand temps. Oui, grand-père. Régal. Bonjour, Radija. Je te dérange pas ? Me déranger ? Non, absolument pas. Je suis seulement en train de regarder la télé. Je viens juste de recevoir ton colis. Ah, ça te plaît, j'espère. Machallah, j'en suis très content, merci. Mais voyons, Radija, tu m'en as envoyé beaucoup trop. Ah, oh, c'était la moindre des choses. Tu en as tant fait pour moi. Mais on n'est pas quitte. Ah, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre ton niveau, Ahmed. Hey, je t'ai demandé d'oublier tout ça. Je t'ai rendu service, ça m'a fait plaisir. Vraiment, c'est un très beau cadeau que tu m'as offert. Et en plus de ça, ça va m'éviter de me déplacer jusqu'au restaurant, parce que c'est là-bas que je mange du poisson. Mais dis-moi, tu me sous-estimes, on dirait. Hein ? Comment ça ? Clairement, tu ignores mes talents de cuisinière, parce que si tu goûtais à mes plats, tu te passerais des restaurants, tu peux me croire. Ah, c'est vrai ? C'est bon à savoir. Écoute-moi. Je veux que tu oublies vite ce restaurant. Et je t'invite à venir dîner chez moi. Je vais te préparer un magnifique poisson braisé à la sénégalaise. Face à moi, ton restaurant ne fait pas le poids, je peux te le garantir. Oh, écoute, ne le prends surtout pas mal, Radija, mais j'ai des petites choses à régler. Donc maintenant, je dois te laisser. Mais après, je viens. Ah, d'accord, très bien. Inch'Allah. Jazz, à quoi tu penses ? À ce qui s'est passé pendant mon absence. Ah, je comprends. On n'a pas chômé. Ah ouais ? Bien. J'ai raté tout ça, hein ? Mm. Hein ? De tout ce que tu m'as dit, Ami, il y a deux choses qui m'ont intrigué. Lesquelles ? Ami, tu as changé à un point. C'est incroyable. Parce que si un jour on m'avait dit que tu vivrais en polygamie, je l'aurais jamais cru. En plus, pour ma gibe. Et non. Ma fille aussi. Ouais, ta fille, ok. Mais quand même. Je savais que tu aimais ma gibe, mais pas à ce point. Ah, Jazz, c'est bon, arrête. L'autre chose, c'est quoi ? Eh bien, Ami, j'ai remarqué que tu es devenue beaucoup moins turbulente qu'avant. Ah ouais, tu trouves ? Ça se voit tout de suite. Jazz, je sais pas. En fait, je veux pas reprendre ma vie d'avant. J'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'aiment. Comme toi, mon père, Ndei Marie. Et maintenant, je refuse de refaire ces mêmes erreurs stupides que j'ai faites. Et les faire souffrir encore, tu vois ? Ami, ça ne risque pas de te nuire.
C'est bien beau ce que tu dis. Mais se battre pour sa famille, se battre pour soi-même, ce n'est pas une erreur. Pour Malika, je suis d'accord. Ouais. Mais je ne peux pas concevoir que tu étais avec ces filles quand elles ont détruit ton tableau. Et que t'aies rien dit. Non. Jazz, en fait, moi, je sais pas quoi faire. Je suis perdue parce qu'il y a Majib qui me demande de rien dire et de garder le silence. Alors que Malika, j'ai juste envie de lui couper la tête, d'en faire un ballon. En plus, ces deux folles, là, je les connais même pas. C'est quoi leur problème? Je sais pas quoi faire. Là, je me sens tellement seule. Vas-y, continue. À moins que tu m'aides. À faire quoi exactement? Merci beaucoup. On va commencer avec le cas de Malika, car si elle croit qu'elle va s'en tirer aussi facilement, celle-là, elle se trompe. Ça, tu peux me croire. Et puis pour sa relation avec Majib, je sais déjà ce que j'ai à faire. Y a pas de souci. Mais ces deux folles, là, comment c'est déjà? Cani, je sais pas. Ouais, c'est Cani, merci beaucoup. L'autre, on aurait dit Blanche-Neige. J'ai une question. Est-ce que Majib est au courant? De quoi? De l'histoire avec les filles. Non, tu peux oublier, il est dans son monde, Majib. De toute façon, il va rien faire, je sais comment il est, c'est bon. Ouais, mais il devrait le savoir. Parce que, demain, si on porte plainte, on ne sait pas comment ça va se terminer. Porter quoi? Plainte. Qui te dit que je vais porter plainte? Bah non, excuse-moi. Jazz, cette affaire, je la règle entre filles, loin de la police. On dirait que je retrouve la amie d'avant. Même si je la veux pas forcément. Concernant Malika, c'est un danger de la laisser s'approcher. En ce qui concerne ton tableau, je préfère que tu en parles avec Majib. Et après, on ira voir la police. Jazz. Bon, ok, je vais en parler avec lui. Mais pour la police, c'est non. N'insiste même pas. Parce que ces garces, elles vont savoir qui est Amilea. Elles vont payer. Mais au fait, j'ai un truc pour toi. Vas-y. C'est quoi ça? Vas-y, tiens. C'est pour toi. Je t'ai toujours gardé une part. Ami. Tout ce que j'ai fait pour toi. Ce n'est pas pour l'argent que je l'ai fait. Je sais, mais te revoir, ça m'a remise de bonne humeur, alors profites-en et prends l'argent, mais vas-y. Quoi? Toi, de bonne humeur? Écoute. Je te remercie, mais... Après ce qui est arrivé à ta galerie, t'as dû perdre beaucoup d'argent pour rembourser les artistes. Et je suis sûr et certain que ton père l'ignore. Et Majib aussi, d'ailleurs. Alors je te rends une des enveloppes. Non, c'est à toi. Ami, en ce moment, je n'en ai pas l'utilité. Alors je te fais un prêt. Ah, dans ce cas, j'accepte. Une dette se rembourse. Il n'y a pas de souci. Une minute, attends. Fais voir laquelle est la plus remplie. Ah non, c'est trop tard, tu me l'as rendue. C'est hors de question que je te la redonne maintenant. Vas-y. Comment vous avez pu donner ça à boire à ma femme? Ça aurait très bien pu la tuer, ou la rendre folle. Mamadou Lamine, calme-toi. Si nous avons fait ça, c'est pour te sauver. Et la seule solution était de trouver quelqu'un qui partage le même totem que mais toi. Mais tu as utilisé des choses que tu ne connais pas, papa. Et vous l'avez donné à ma femme, tu te rends compte? Mamadou Lamine, calme-toi. C'est de la folie. S'il te plaît, calme-toi. Mais papa, comment veux-tu que je me calme? Je peux pas me calmer. Vous êtes des criminels, en fait. Vous êtes des criminels. Moi, je ne reste pas là. Je repars avec mon fils, d'accord? Je ne vous reconnais pas, vous m'avez beaucoup déçu. Fais attention à tes actes. Réfléchis bien à ce que tu vas dire. Car cela pourrait te rattraper demain. Te voilà averti. Mamadou Lamine, c'est vrai qu'on a fait une erreur. Et c'est vrai que je n'aurais pas dû prendre ton fils comme ça. Mais Mamadou Lamine, réfléchis bien. Depuis qu'il est né, tu as déjà vu ton fils
dormir comme aujourd'hui, aussi paisiblement. Réfléchis, Mamadou Lamine. C'est vrai, tu es son père. Mais 2 jours ici, afin de le soigner, avant de le ramener, c'est tout ce que je te demande. D'accord ? 2 jours. 2 jours de vie. 2 jours de chance. Réfléchis. Non, je suis pas d'accord avec toi. Jazz, arrête d'abuser un peu. Depuis tout à l'heure, tu refuses mes plans. C'est quoi ton problème ? C'est toi qui as changé finalement. C'est dur la prison, tu sais. Car sans ma bonne conduite et la grâce présidentielle que j'ai eue, j'y serais encore là. Bon, ok. On fait comme tu veux. Ok, cool. Comme je viens de te l'expliquer, on va faire simple et sans danger. Comme ça, on sera clean. Dis-toi que la cybercriminalité, je la crains même pas. Salam alaikum. Ah, bébé. Alhamdulillah. Ça va? Désolé de vous interrompre, je sais que ce sont vos retrouvailles, mais là, j'ai besoin de ma femme. Ouais, pitié. J'en peux déjà plus. Ah t'es oui? Le seul à pouvoir la supporter. T'es sérieux? En plus, vous avez des choses à vous dire. Jazz, là, t'abuses. C'était quoi ça? En fait, il y a un truc que je t'ai pas dit. Oh, ok. Et c'est quoi? Tu te souviens des 2 tableaux qui étaient chez moi la dernière fois? Ouais, tu les as vendus. En fait, c'est faux. J'ai eu un accrochage avec la cliente. Puis elle m'a menacée et a détruit les tableaux. Hein? Menacée? Oui. T'inquiète, elle voulait juste m'humilier, mais ça a pas marché. Assieds-toi. Dis-moi tout. Non, mais t'inquiète, je suis en vie, non, ça mais va. C'est qui cette femme? T'as son nom? Et puis, Ami, pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Je les connais pas, t'inquiète, c'est du passé. Non, écoute, c'est important qu'on ait cette conversation, Ami. Parce que je comprends pas que ma femme ait plus d'aisance à parler à son ami plutôt qu'à moi, son mari. Hé! Parle-moi, Ami. Parle-moi. Sans filtre. Là, actuellement, c'est pas à ton mari que tu parles, mais à ton ami. J'ai préféré parler avec mon ami. Parce que je trouve que mon mari ne me protège pas. Dès que j'ai besoin de lui, il n'est pas là. Car c'est pas ma journée. Et vu que je lui ai déjà causé plein de problèmes qu'il a eu du mal à résoudre, je suis obligée de faire face à certaines difficultés seule. Je pleure. Et toi, t'es auprès de Malika, tout heureux avec tes enfants. Mais le pire, c'est que je peux même pas t'en vouloir de me laisser. C'est son tour et je dois le respecter. Partager mon homme et la fermer. Voilà ce que je dois faire. Mais Majib, ces règles que l'on a acceptées en se mariant, j'ignore combien de temps je vais les supporter, pour être honnête. Ce que tu me dis, c'est très difficile à entendre. Et c'est vrai qu'en tant qu'homme, on trouve beaucoup d'aisance dans la polygamie, sans forcément prendre en compte le ressenti de l'autre, ou des autres, devrais-je dire. Mais je veux pas que tu croies, pas même une fois, que je n'ai pas de respect ni de considération pour ce que tu endures. Tout ça, c'est nouveau pour moi, ami. J'essaie de trouver le juste milieu. Majib, tu peux pas être juste. C'est impossible, je veux pas. Pas après tout ce que Malika a fait. Majib, c'est trop grave. La tentative de meurtre et après ça, ma galerie, ça se termine jamais. Écoute, que tu le crois ou pas, le cas de Malika, c'est en cours, je vais m'en occuper, t'as pas à t'inquiéter. Je peux pas te croire. Ok, aucun problème. Mais pour l'instant, on va s'occuper de ta cliente, d'accord? On va appeler la police. Non, pas ça, s'il te plaît.
En ce moment, j'ai bien trop de problèmes. Et puis la police est déjà sur l'affaire de la galerie. Je veux pas me retrouver avec un casier judiciaire. C'est bon. Ok, ok. Ok. Cani. Quoi? La fille, elle s'appelle Cani. Il y avait une amie avec elle, je sais pas si c'est une arabe ou une blanche, j'en sais rien. Siam. Oui, c'est ça. Attends, tu les connais? Salut Siam, les filles sont là. Majib? Pourquoi elle est ici? C'est elle qui a déchiré ton tableau? Ouais, c'est elle. Très bien. Eh bien, je te présente Cani et Siam, les deux meilleurs amis de Malika. Des amis d'enfance, qui sont censés l'aider. Majib, s'il te plaît, on aura cette discussion plus tard. Oui, on va l'avoir, cette discussion, Malika. T'inquiète même pas pour ça. Mais pour l'instant, je suis là pour Cani. Majib, écoute-moi. Hé, tu la fermes, c'est toi qui m'écoutes. Je suis très déçu de ton comportement. Quand j'étais en France, avec Anna Eva, on a bien sympathisé tous les deux. Et pourtant, on me disait de me méfier de toi. Malgré ça, je t'ai pas jugé. Pas un seul instant, Cani. Mais maintenant, je vois très clair dans ton jeu. Parce qu'en fait, toi, t'es rien d'autre qu'une hypocrite. Majib, Hé, tu me laisses terminer, Malika. Tu m'interromps pas. J'en ai marre. Trop, c'est trop. Ces petites querelles, c'est terminé. Vous insultez, c'est terminé. J'en ai assez. C'est fini. Piquer la place, s'humilier, déchirer des tableaux. N'oublie pas la chauffarde. Arrête. Ami, s'il te plaît. C'est quoi la prochaine étape? Du vandalisme? Qui sait ce qui va arriver en continuant comme ça? La galerie, c'était toi? C'était moi. C'était toi? Oui. T'as osé faire une chose pareille? Oui. Alors écoute-moi bien, parce que je vais pas le répéter. C'est bien clair? Ta vie, tu peux en faire ce que tu veux, j'en ai absolument rien à faire. Même te mettre avec mon frère, ça me dérange pas, c'est sa vie. Mais par contre, t'attaquer à la femme que j'aime, ça c'est quelque chose que je peux pas accepter. Il y en a qui ont de la chance, et qui devraient remercier Dieu que je me retienne. Encore une dérive, une seule petite dérive, Cani. Et tu pourras être fier de pousser ton amie à choisir entre toi et moi. Et tu sais qui elle va choisir. Va m'attendre dans la voiture, s'il te plaît. Ok. Ah. Ça ne te ressemble pas du tout, Siam. Vraiment pas du tout. Sortez de cette pièce, j'ai besoin de parler seul à seul avec ma femme. Il m'énerve, ce gars. Pour qui il se prend, lui, sérieusement? Tu n'as vraiment rien à voir avec la galerie, Malika. Non. Je n'ai pas besoin de te dire que tu viens d'épuiser ton crédit de compréhension, n'est-ce pas ?